Bienvenue dans cette magnifique salle, pardon, j'en perds la voix, vous êtes beaucoup ce soir. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Vous êtes bien installés? Ça a l'air d'aller. J'aimerais me joindre à tout l'orchestre pour vous dire à quel point nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir et que ça fait du bien d'être à la maison, tout simplement. J'aimerais vous présenter ce soir deux animateurs vedettes. Vous les connaissez bien, vous les voyez souvent sur France Télévisions, sur Canal+. Deux journalistes sportifs émérites. Je vous présente, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Philippe Ruet et Lionel Chamoulou. Ils arrivent, ils sont là. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Lionel. Lionel, c'est super sympa de se retrouver comme ça un soir de janvier à Carcassonne. Le moment est beau, nous allons passer ensemble ce samedi soir pour fêter la SC13 avec un certain nombre de surprises tout au long de la soirée. Bien sûr, nous allons honorer en votre compagnie tous ceux et toutes celles qui ont bâti, qui ont dirigé, qui ont surtout aimé ce club avec des surprises. Et c'est vrai que c'est un club de légende. Il fallait vraiment un événement considérable pour réussir à réunir Canal+ et France Télévisions. Mais c'est un vrai plaisir parce que, évidemment, comme vous, sans doute dans la salle, avec Philippe, on est des passionnés de sport, de tous les sports. Et donc, on est très heureux d'être là pour fêter, effectivement, le club le plus titré de France avec le 13 catalan, ce qui concerne le rugby à 13. C'est donc votre club qu'on va honorer ce soir. On va tourner les pages d'un livre qui est assez épais. Avec 70 ans de succès, notamment des titres, il y a eu des titres en élite, 12 Coupes de France, 3 doublés, 46 finales en tout, c'est assez énorme. Et c'est pour ça qu'on a envie de commencer tout de suite et appeler ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée, Philippe. Alors bien évidemment, le menu, vous le connaissez déjà, je vois que l'apéritif touche à sa fin. Le dîner va vous être proposé dans quelques instants. Tout au long de cette soirée, nous allons donc, avec des personnalités du club, eh bien, honorer celles et ceux, on vous l'a dit, qui ont dirigé et qui ont fait ce palmarès. Nous allons tout de suite appeler quatre premières personnalités, Lionel. Je vous demande avec l'orchestre Rhône École, bien évidemment, d'applaudir tout de suite l'un des co-présidents du club. Je demande à Jean Guillem de nous retrouver. Jean Guillem. Et comme il y a un co-président... Bonsoir. Alors comme il y a un co-président, forcément on va appeler quelqu'un d'autre qui est à la tête du club avec vous. J'en sais Aimé Ourliac qui va Aimé, nous rejoindre bonsoir. Tout de suite. Bonsoir Lionel, maintenant que vous connaissez le chemin, chers amis, le troisième et le quatrième, on va les appeler en même temps. J'appelle pour ma part Pierre Delpoux, que j'aperçois là, le président de tenue de soirée, et Lionel. J'appelle Christophe Fangeau, qui est le chargé des sports, adjoint au sport pour la ville de Carcassonne. Christophe, à l'instant, avec Pierre. Chers amis, le temps que nos deux personnalités nous rejoignent, Aimé, je me tourne vers vous, le premier micro sera tendu vers vous, on va se mettre, et vous allez vous mettre un peu plus dans la lumière, l'un des deux co-présidents, pas trop parce qu'après vous allez rejoindre nos 800 invités de la soirée, ben, un mot bien sûr d'accueil, ils sont très heureux de partager ce moment, et je pense que c'est le cas pour tous les Carcassonnais et ceux qui aiment le club. Oui, merci, merci à vous tous, bien entendu, ça nous fait chaud au cœur de voir une assistance aussi fournie. On avait eu, quand on a lancé l'opération, c'est Jean qui a toujours des bonnes idées en ce qui concerne les festivités. Je crois que c'est lui qui est au point de départ de cette opération,
qui, je l'espère, va à bien débuter avec le match de cet après-midi et qui, j'espère, va continuer tout au long de cette soirée. On en parlera à aimer du match, parce que vous pouvez déjà applaudir ceux qui sont dans la confidence. On donnera le score tout à l'heure avec Lionel, mais les Carcassonnais ont gagné cet après-midi. Mais il fallait quand même marquer le coup. Ils l'ont fait, bravo. Alors, oui, on peut les applaudir, eux qui ont joué face aux Anglais, dont on va reparler tout au long de la soirée. Aimé. Alors, ces 70 ans, effectivement, ça fait un peu âgé, hein. Pourquoi ces 70 ans? Eh bien parce que, on l'a rappelé tout à l'heure, la SEC est riche de son passé. C'est un passé que nous voulons cultiver, mais pas nous faire une fixation sur le passé. Ce sont les racines que nous allons prendre sur ce passé pour construire l'avenir, bien entendu. C'est pour cela que nous avons mis en place une formation excessivement importante et de taille, qui va s'appuyer justement sur nos racines pour que cette opération de formation soit un succès pour l'avenir, bien entendu, de la SEC en particulier et du rugby à 13 en général. Je voudrais remercier, bien sûr, la mairie de Carcassonne et Christophe Fangeau pour l'investissement qu'ils mettent à notre disposition. Je voudrais remercier aussi le conseil général, M. Tarlier est là pour le représenter, et le conseil régional avec M. Garineau qui, c'est une confidence, va bientôt être un trésiste convaincu. Je les remercie, leur présence nous honore et nous fait beaucoup, beaucoup de plaisir en nous rassurant par la même occasion. Merci beaucoup, Aimé, merci pour ces premiers mots. Alors évidemment, on va parler de l'importance du club aussi dans la cité. Christophe, je me tourne vers vous tout naturellement pour que vous nous rappeliez à cette occasion, et ce n'est pas innocent, à quel point ce club est impliqué dans la ville et quel est son rôle exact. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je voudrais remercier tous les organisateurs en premier parce que cette salle est magnifique ce soir. Et tout ça, c'est grâce aux bénévoles de l'ESC. Je crois qu'on ne rappelle jamais assez le travail qui est fait tout au long de l'année par les bénévoles. Vous pouvez encore les applaudir. On les saluera tout à l'heure également, mais c'est vrai qu'il faut penser à eux. C'est eux qui sont l'âme du club. La SEC dans notre cité fait partie du patrimoine, le patrimoine sportif. C'est un club, le club le plus prestigieux de la ville. L'histoire serait trop longue pour partir de 1940 à aujourd'hui. On peut le voir dans la salle. Tous les anciens sont là, les nouvelles générations. Tous les dirigeants, tous les Carcassonnais connaissent l'histoire par cœur de la SEC. C'est plus à peine de le rappeler, c'est naturel dans tout Carcassonnais, y compris chez les plus jeunes. Je voudrais remercier tout le travail qui est fait par les deux coprésidents, aussi bien sur les équipes, l'équipe 1, sur la MJC 13, le travail de formation qui est fait sur l'avenir, parce qu'on vient de passer, on fête les 70 ans, on fête 70 ans d'histoire, mais ce qu'il faut, c'est l'avenir, c'est poursuivre. Qu'on puisse fêter, les futures générations puissent fêter 70 ans plus loin, encore des soirées comme ce soir. On est d'accord. La ville est là pour accompagner la formation des jeunes, des éducateurs. C'est la priorité d'une politique sportive. Vous savez, j'ai eu la chance de grandir avec les plus grands trésistes de l'histoire. Hein. J'ai joué à la pelote avec mon père, j'ai grandi avec les Poncinet, les Guillem, les Pi, les Bonos, les Alberti. Et j'en oublie. Donc, pour moi, c'est pas de l'inconnu, donc je ne vais pas énumérer en détail ces 70 ans, mais je crois que quand même c'était une belle soirée. Il ne fallait pas manquer. Au nom de M. le député maire, qui est très attaché à ce club et à son histoire, je vous dis encore merci pour cette organisation. Après, je voudrais vous annoncer que M. le député maire Jean-Claude Pérez a choisi pour représenter la ville de Carcassonne dans tout ce qui est jumelage, dans toutes les rencontres hors département, avec toutes les villes avec qui on fera du travail de jumelage, un trésiste que vous connaissez bien, je souhaite qu'il monte sur la scène, c'est M. Christophe Molly qui reprendra le sport de Carcassonne. Et Christophe va nous rejoindre pour la première bonne des présentations de la soirée.
Carcassonne, d'une certaine façon. Vous allez être un peu le symbole de cette belle ville de Carcassonne à travers le 13. Mais oui, mais écoutez, je suis très honoré. C'est vraiment une belle récompense pour moi, mais également pour toute l'équipe qui est ici présente. Bon, je remercie monsieur le maire et monsieur Christophe Fanjo de me faire confiance pour cette tâche. Et j'espère que je répondrai correctement à leurs exigences. Et puis vous avez toute l'équipe qui est derrière, regardez, ils sont là à vous applaudir. Donc on ne se fait pas de soucis, c'est toujours dans un bon état d'esprit et en groupe que tout ça va se mettre en place. En tout cas, c'était une information. Il va travailler dans cette commission de jumelage, donc il va proposer des rencontres avec les autres villes, des projets sur le sport. Donc il va avoir une mission importante pour représenter cette ville et faire des propositions à monsieur le député. Comme quoi, l'histoire va continuer. Et justement, Philippe, cette histoire, on va commencer à l'égrener, à ouvrir ce livre d'images et de souvenirs que constituent 70 ans de participation à l'élite pour ce club que vous aimez tous. Oui, dans quelques instants, nous vous ouvrirons une première page concernant les présidents que certains sur la scène, comme Jean Guilhem, bien sûr, ont connu, comme Aimé. Un mot de Pierre Delpoux, vous êtes venu nous rejoindre. Nous allons démarrer dans quelques instants. Vous qui êtes le président de Tenue de Soirée. Tenue de soirée, quand on est arrivé avec Lionel, on s'est dit, bon, ben, vous serez bien sûr tous en tenue de soirée, mais il n'y a pas de E à tenue, c'est ça, hein, le jeu de mots est bien là. Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, mais écoutez, tenue de soirée a un an d'existence, et donc nous sommes heureux de participer à l'organisation de ces 70 ans. Nous avions dit que nous occuperions de l'animation de tout le rugby à 13 dans le Carcassonnais, et notamment, comme le disait Christophe Fanjo, surtout de la maison des jeunes et de l'école de rugby. Donc, nous avons travaillé tout ça pendant un an. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Dommage que la salle soit un petit peu petite, parce que nous aurions une salle de 3000 personnes, on l'aurait remplie, c'est sûr. Bon, mais écoutez, bonne soirée. Et n'oubliez pas que le 12 février, nous recevons Carpentras. Alors, tâchez d'y être. Hein. Bonne soirée. Il y a Christophe, merci. Il y a Christophe qui veut justement ajouter quelque chose pour vous dire que c'est une autre info qu'il y aura une salle de 3000 places bientôt. Petit mot, parce que je suis sportif avant tout, et je voudrais que toute la salle quand même applaudisse les joueurs qui sont les acteurs principaux du sport, qui ont encore gagné cet après-midi, face à Widnes qui joue en Ligue 1 et qui a des ambitions, et c'est pas n'importe quoi comme équipe. Je crois que nos joueurs vont nous faire une belle saison encore pour 2010. Alors, on va lancer véritablement cette soirée, Philippe, maintenant. Ok, on va demander à Jean, Guillaume, merci à nos amis qu'on va retrouver tout au long de la soirée, mais on va vous retrouver tout à l'heure. Jean, venez avec nous auprès de Lionel, car nous allons, avec nos amis René Cole derrière nous, lancer un premier hommage. Oui, nous allons lancer une première catégorie. Nous allons parler avec vous des présidents historiques. Musique pour les présidents historiques dont on va rappeler certains grands noms. 1, 2... Non, il n'y a pas de musique. Allez, un petit jingle, vous pouvez nous le faire. Oui, quand on dit allez, musique, on va lancer. On va lancer tout ça. Ok, c'est parti donc pour se souvenir de ceux qui ont bâti ce club, et notamment bien sûr les présidents qui nous ont quittés. On va commencer par celui qui a été le président fondateur de 1938 à 1956. Pendant 18 ans, il était à la tête de ce club. Jean, je parle de Georges Ramon. Oui, Georges Ramon, nous allons faire un voyage à travers le temps. Georges Ramon qui a été président de 38 à 56, qui est le véritable fondateur de ce club, l'ASC 13, puisque le 6 mai 1938, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire, il a entériné le passage de l'ASC à la Ligue du rugby à 13. C'est un souvenir émouvant que nous nous sommes donné du plaisir à rappeler. Merci pour lui, on peut l'applaudir parce que c'est quand même un hommage qu'on doit rendre à ce bonhomme. Georges Ramon, le fondateur. Et puis un peu plus loin dans le temps, entre 1960 et 1964, vous teniez à parler de Jean Debas. C'est lui, Jean, qui a tenu les rênes du club. Jean Debas, il est arrivé en numéro 2 et il a mis en place essentiellement au sein du club un petit peu plus de rigueur. Et c'est lui qui a créé l'administration du club de rugby à 13 de la SSC. Ensuite, on peut l'applaudir également, pour lui succéder de 64 à 67, Pierre Garouste. Pierre Garouste, c'était le tribun que nous connaissions, avocat de son métier, rigoureux, avec ses amis Henri Moutou et Jean Seignier. C'est lui qui a créé la section des jeunes de la SC13. Ça a été le premier à imaginer qu'on pouvait
où on devait faire du rugby à 13 en puisant dans les réserves, en puisant dans les jeunes de la maison des jeunes. Et puis ensuite, quelqu'un qu'on salue avec Pierre, bien évidemment. C'est un président qui est venu par deux fois à la tête du club, entre 74 et 76, puis 99-2001. Deux fois président, c'est un des piliers de l'histoire et de la légende, c'est Raymond Forge. Raymond Forge, bien sûr, tout le monde le connaît, c'est un petit peu... On l'applaudit, je comprends qu'Alain ait envie de l'applaudir. C'est un personnage incontournable, élégant, passionné, fidèle en amitié ou en couleur. Il a été deux fois président de 74 à 76 et de 99 à 2000. C'est lui qui a été à la racine du retour du club dans l'élite 1. Il a transmis à tous la notion d'esthétique, d'élégance. C'est celui qui a mis le nez sur la modernité et sur la communication à l'intérieur du club. C'est un personnage que nous adorions tous. C'est un personnage que nous aimerions voir aujourd'hui. Et je crois qu'il serait très fier de ses enfants. Raymond Forge. Alors, entre 1976 et 1980, Jean Périssé. Jean Périssé, c'est un carcassonné de souche. C'est un personnage adorable, très affable, discret, beaucoup d'affectif dans ses relations avec les autres. Il a été à la base de la conquête du titre de la superbe équipe de 76. Il a été très fort par son humanisme. C'est lui qui a mis de la noblesse dans ce métier de président. Un mot sur Pierre Pavanetto après Jean Périssé. Pierre, président de 1980 à 82. Pierre Pavanetto, que les noctambules de la ville connaissent, personnage haut en couleur, charismatique, généreux. C'est lui qui a institué la solidarité. On l'applaudit, bien sûr. Pierre Pavanetto. Il a mis la solidarité comme valeur philosophique du club. C'est un personnage qui a fait l'apologie de la troisième mi-temps. Et pour cela, nous lui devons beaucoup. Ça fait partie effectivement de l'esprit de l'équipe et du club, la troisième mi-temps. On passe à des années plus récentes maintenant avec Norbert Serras. Norbert Serras, c'est un personnage extraordinaire, discret, avisé, mais passionné et... Aujourd'hui, à travers l'hommage que nous lui rendons, à travers notre intervention, c'est surtout à ses fils, Jean et Pierre, et surtout à ses petits-enfants que nous dédions cet hommage à Norbert Serras, qui a été le premier à professionnaliser le club en allant puiser dans les réserves anglo-saxonnes outre-Manche. On l'applaudit. Voilà, dans 20, 30 ou 50 ans, vous serez... dans la salle avec Aimé, et puis on sera là avec Lionel pour fêter, et c'est vous qu'on applaudira. En tout cas, on vous laisse à vous, les présidents d'aujourd'hui, bien évidemment, les meilleurs vœux et les plus beaux souhaits pour les prochaines années. Je voudrais vous citer trois noms dans le club, Lionel et Jean. Jean-François Daré, Tantine Oustric, Robert Albert. Pourquoi nous avoir soufflé, Lionel et moi, ces trois noms? Jean-François Daré. Jean-François Daré, c'est un petit peu notre cicatrice qui n'a pas fini de se fermer. Il est décédé le 4 janvier 1987 au cours d'un match contre le 13 catalan et son effigie n'a jamais quitté les civaises du clubhouse. C'était un garçon adorable, c'était un garçon doué, disponible, riche en amitié et sa disparition nous a blessés profondément. Et Tantine Oustric dans quelques instants. Bon, cet hommage pour Jean-François Daré, nous le dédions à ses parents qui n'ont pas pu être là ce soir mais qui auraient aimé être parmi nous, à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu et à tous ceux qui l'ont aimé. Alors Tantine Oustric, qui était Tantine Tantine Oustric, il n'y a pas un joueur qui ne connaisse Tantine Oustric, ça a été la marraine de tous les joueurs qui ont porté la tunique jaune et noire. C'est une passionnariat généreuse qui fut la cantatrice et l'égérie de la SC13. Elle s'est livrée corps et âme à ses joueurs et au club de la SC13. Son rire a illuminé les troisièmes mi-temps. Sa ferveur et son enthousiasme ont marqué les mémoires. Nous ne l'oublierons jamais. Et autre personnalité importante, Robert Albert. Robert Albert, il a été secrétaire général dans les années 90 à 2000. C'est un humaniste passionnant, passionné et cultivé.
Il avait hérité de son village natal, de l'Arderne, le culte de l'amitié, de la sincérité, de l'authenticité. Il a beaucoup donné au club, sa foi, son temps, sa sincérité. Aujourd'hui, à son épouse, à son fils qui est co-entraîneur de la SEC, nous dédions cet hommage au parfum de respect et d'amitié. Alors, vous avez compris, on passera une partie de la soirée à parler du club, et puis il y aura une partie festive également, avec le grand orchestre de René Cole. Et Jean, justement, vous vouliez rendre hommage à René, qui est quelqu'un qui était proche de vous, proche du club, proche de la fête que vous évoquiez à l'instant. Oui, un petit hommage à René Cole, qui nous a beaucoup suivis, qui nous a beaucoup encouragés, que nous avons aimés. À toi, René, ombre discrète, gracile, émouvante, tu poses ta baguette magique sur les cuivres de feu pour embraser encore une fois le mystère de la fête, pour donner de la vie, du rire et des couleurs au rythme de nos vies, pour offrir des accords aux enfants et offrir des rêves aux filles, des couleurs, des danses et des fleurs, et aussi éclairer du fond du temps ce soir pour tes amis et les autres, les yeux nostalgiques et les bercer de mots tendres, humains, vrais, qui sont autant de mots d'amour choisis par toi, René Cole. Merci Jean pour ces mots, et justement c'est le moment de vous écouter en hommage à René Cole avec ce morceau qui s'appelle Smile. À tout à l'heure.